Je suis rentré à l'époque dans une société qui s'appelait les transports Elminger, qui est l'ancêtre de Maury, de ce qui est devenu Maury Vitro. Donc je suis rentré en 1978, c'était au siècle passé, hein. Pour certains ça risque de faire loin, mais voilà, 53 ans aujourd'hui et on assiste à l'effondrement de, d'une vie de travail. On assiste à l'effondrement d'une vie de travail et un sentiment de dégoût, de lassitude, d'écœurement. Je crois que c'est l'écœurement. C'est l'écœurement. Et quand on rentre avec un bagage comme celui-là hier soir à la maison, quand notre patron nous a annoncé ça hier en fin de matinée, on avait beau s'imaginer que ça pouvait arriver, on n'y croyait pas. Et je crois qu'on n'y croit toujours pas. Et quand on rentre à la maison le soir et que... Bon, j'ai trois enfants, reste trois enfants. Et quand dans le regard du petit, il y a une espèce de gêne, et que les plus grands qui sont loin maintenant, parce qu'ils sont installés un petit peu plus loin, ils font leur vie, et que les enfants vous envoient un coup de fil, vous envoient des SMS, vous envoient un petit mail, en vous disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Là, la gorge vous serre, et vous vous dites que c'est pas aux enfants de vous poser ce genre de questions, c'est le rôle du père, qui est là pour faire bouillir la marmite, et c'est aux parents, au père en l'occurrence, d'aider les enfants, pas aux enfants de se poser la question de savoir ce qu'ils peuvent faire pour vous. Et ça, je vous garantis que ça serre le cœur. Ça serre le cœur, ça fait mal aux tripes. Et puis, on essaie de les rassurer avec un petit peu d'humour, comme on peut être amené à le faire, parce que c'est un petit peu ma nature, en leur disant, écoute, quand on a le dos au mur, on peut plus qu'avancer. Donc, faut aller de l'avant, faut avancer. Et ne vous préoccupez pas trop de ma situation, on arrivera toujours à faire quelque chose. Par contre, pensez à vous d'abord. Mais quand le téléphone est raccroché, je vous assure que ça serre le cœur. Ça fait mal au trip, ça fait vraiment mal au trip.